Gelombang protes terus berdatangan dari negara-negara Eropa. Informasi terbaru pada Minggu 6 Oktober 2024, merekam jalanan di Paris, Prancis dan Dublin, Irlandia dipenuhi oleh warga yang memprotes serangan Israel ke Lebanon, Suriah, dan Gaza dengan menargetkan bangunan-bangunan yang berisi populasi warga sipil. Bahkan dalam sebuah orasi di gelombang demonstrasi Paris, tampak seorang mantan anggota Parlemen Eropa Jean-Luc Mélenchon berseru, "Kami tidak mau lagi menjual senjata-senjata kepada Israel untuk lakukan pembantaian. Eropa harus mengakhiri kerjasamanya dengan pemerintahan Netanyahu. Jika kerjasama ini berakhir, maka perang akan segera berakhir." Vers le Liban occupé et envahi, vers Gaza, vers les peuples palestiniens niés par ceux qui se sont drapés tant et tant d'années dans les symboles de la liberté, dans les leçons de morale données à la terre entière et qui, une fois au pied du mur, participent au massacre, disent des paroles qui n'ont aucune conséquence. Qu'on nous entende au Liban, qu'on nous entende à Gaza. Il y a une France, la voici, qui dit que le cessez-le-feu doit être immédiat, que nous ne voulons plus qu'on vende d'armes pour massacrer, qui disons qu'il n'y a qu'un seul droit international et que dès lors qu'il y a un double standard, cela signifie qu'il n'y a plus ni droit ni standard, mais seulement la leçon de la force. L'Europe doit cesser la collaboration avec le gouvernement de M. Netanyahou. Si cette collaboration cessait, la guerre s'arrêterait immédiatement.